Bonjour les amis, excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle cette vidéo va vous trouver. Bienvenue sur ma chaîne, hein, pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, la chaîne du partage, la chaîne de l'apprentissage, de la cuisine d'ici et d'ailleurs. Ben voilà les amis, aujourd'hui je vais partager avec vous ma recette de kale, hein, comment je boue mon kale. Le kale, c'est un légume vert de la famille des choux. Un légume très riche en vitamines, en fer, en vitamine C, en fibres alimentaires. Donc voilà comment je le fais, comment je le boue afin de le rajouter à mes sauces, à mes repas. Donc voilà, je les découpe finement, je lave bien, je lave parce que généralement il y a un peu de sable qui reste dans ces feuilles parce qu'elles sont elles sont rizées, vous voyez un peu. Donc je lave bien, je mets dans une marmite, je rajoute un peu de bicarbonate de soude. Ceci pour l'attendrir et pour qu'elle conserve sa belle couleur verte. Et je ne rajoute pas de l'eau, hein. Je ne rajoute pas de l'eau lors de la cuisson parce qu'elle elle conserve de l'eau. Dans ses feuilles, dans les feuilles, il y a l'eau qui reste. Donc vous verrez que dans la casserole, les bords sont un peu blanchâtres. C'est dû au bicarbonate. Vous voyez la quantité d'eau aussi qu'a dégagé le légume. C'est parce qu'elle renfermait beaucoup d'eau. J'évite de bouillir longtemps, sinon je vais malheureusement enlever toutes ses propriétés nutritives. Voilà, donc après 3 minutes, c'était prêt. Et puis j'ai pressé tout simplement. J'ai attendu que ça refroidisse complètement. J'ai pressé. Et voilà mon légume prêt à être rajouté dans mes sauces, dans mes rôtis de viande, prête pour mes différentes recettes. Tout en bas de cette vidéo, les amis, je mettrai le lien des recettes que j'ai faites à partir de ce légume kale déjà bouilli. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous invite aussi à vous abonner massivement à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Laissez un pouce, hein, un bon pouce bleu pour me signifier que la vidéo vous a plu. Et cela me permettra tout simplement de poster encore beaucoup plus de vidéos intéressantes. Ça va m'encourager. Donc les amis, laissez aussi un commentaire. Hein. Dites-moi quelle est votre opinion, comment vous faites votre légume, comment vous le bouillissez. Et bah voilà, c'est une chaîne de partage. Peut-être votre idée sera la meilleure. Hein. Donc les amis, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et à plus tard pour d'autres vidéos.